Si mon écran est encore dans votre écran, c'est que c'est pour vous demander quelque chose de trop réel. Il y a trop de tuscassis dans le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Voilà. On oblige les enfants de pays à rester comme des réfugiés politiques à l'étranger. Et ça, c'est pas normal. Donc, pour cela, crier notre ras-le-bol. Soit mobilisé le 2 avril à Bruxelles, que puisse dire aux Européens et au monde entier que nous ne sommes pas d'accord. Okay. Donc, Tarassi, Soroïs, les Africains, les Ivoiriens, même la justice, venez, on va crier notre ras-le-bol. On ne peut pas continuer comme ça. Certains, on refuse de leur donner leur passeport pour qu'ils rentrent au pays. D'autres, on les oblige à rester à l'étranger. Et encore plus grave, on veut forcément mettre la main sur pour les rapatrier au pays. Et je fais quoi? C'est la politique. Même mon Romain qui est là-bas, c'est comme elle a dit. Donc maintenant, ça suffit comme ça. Frère, sœur, ce combat-là, soit réel et nous-mêmes. Donc tout le monde, le 2 avril à Bruxelles, en tout cas moi c'est là-bas. Nos frères et sœurs, t'attends là-bas. Il faut qu'on fasse bouger les lignes.